Est-ce que vous avez besoin de moi ou pas? Pas particulièrement, ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Et retour, on se met en route alors. Ok. Bien le bonjour. Bien le bonjour, jeune bonjour, dame. Comment vous allez? Bonjour, on va à la maison. Très bien, et on vient de faire une bonne prise. Ah oui, une bonne prise, effectivement. Et oui. Oh dis donc, mais je suis aveugle, j'avais pas vu la bestiole derrière. Oui, pardon. Ah, oui. Oh là là, non mais j'ai des problèmes de vue ces derniers temps. C'est mon SUV. Oh, c'est ma bestiole, c'est ah bah, dis donc, très jolie jante, hein. Eh, merci. Oui, donc dites-moi, vous vouliez me voir? Et en effet, madame. Oui. Alors, faut savoir qu'on a fait des très belles prises ce soir. Mais je vais faire le sale travail, mon bon, vous inquiétez pas. Du coup, pour vous résumer, on a fait une perquisition chez une personne sur l'île d'à côté, l'île de Mizuka. D'accord. Et cette personne, du nom de Guizy Lemar, oui, possédait en effet un stock d'armes terroristes chez lui. Oh, et il nous a avoué qu'il faisait des sabotages grâce à ça. Guizy voilà, donc, et en effet, monsieur Guizy Lemar, oui, le petit Rasotaman. Mais oui, avec les dreads. Mais oui, je le connais bien. Et oui, voilà, ce monsieur-là, il fait du terrorisme, ce monsieur-là. Oh putain. Et oui. Mais c'est pas fini, vous pouvez vous asseoir. C'est pas fini, non. Oh là là, attendez, parce que moi, en plus, oh là là, j'ai des palpitations. Attendez, regardez si c'est pas magnifique. Tenez. Voilà. Oh, c'est... Voilà, asseyez-vous. Je m'assois parce que là, je commence à trembler, vous me faites peur. Alors, ce monsieur, de plus, avait une salle, comme il disait, de dressage. Oui. Pendant, il nous a avoué, et il a avoué, putain. Il a tout avoué, en fait. C'est que j'ai pas compris. Il a tout avoué, il a pété un plomb. Il a dit, vous serez gentil avec moi? On a fait, oui, on sera gentil avec vous, monsieur. Il a tout avoué. Bon, on vous racontera après. Donc, il avait une salle de dressage qui était en fait un crématorium. Parce que cette personne était une grande dépendante de la drogue et il souhaitait trouver de nouvelles variétés. Oui. Alors, voilà, il nous a dit qu'il faisait brûler des gens dans son crématorium. C'était un terroriste et en plus un tueur en série. Guizy voilà, mettait des gens dans son crématorium et les faisait brûler? Eh oui, si vous a demandé de passer chez lui une fois, mais oui, vous ne seriez pas revenu, je pense. On y est allé d'ailleurs. Il m'avait dit justement, écoutez, il y a deux jours de ça, il m'a dit que... Parce qu'en fait, ça chiait des décédés ici, en fait. Il y a eu à cause de mes animaux qui se sont énervés, en fait. Et, oui. Et du coup, il m'a dessus. Bah voilà, bah justement. Et pour m'excuser, je lui ai dit, bah écoute, je suis vraiment désolée, ça la remplacera pas la petite, mais je vais te faire un petit bébé. Et il m'a fait, écoute, à la limite, tu viens chez moi et tu viens prendre le calumet de la paix. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah écoute, bah il n'y a pas de souci. Puis il me forçait pour que quand même, je garde mes affaires ici. Il était très insistant. Donc ça se trouve, j'aurais fini cramé en kebab. Vous auriez fini en engrais, madame, parce que ces cendres servaient à faire des engrais. Oh mon dieu. Pour faire pousser de la bœuf. Et d'ailleurs, on possède une variété de bœuf, comme il dit le monsieur. Une variété de bœuf qui s'appelle la... Comment il disait? C'était la Sainte Skunk. La Sainte Skunk. Tout à fait. Et oui, donc c'est une... Voilà, il a fait ça à partir de cendres d'une personne du sud. Oh mon dieu, il a brûlé! Il a brûlé une personne vivante? Et en effet, il a brûlé une personne vivante. On a retrouvé. Comment on appelle ça déjà? C'est les implants, c'est bien ça, voilà. On a retrouvé l'implant. On a retrouvé un implant dans un bac à engrais. Mais Guizy, qui était si gentil, si calme, comment il a pu faire ça? Eh oui, on pouvait pas se rendre compte, madame. Et oh là là! Si on vient vous voir, c'est justement parce qu'il a. Mais dans sa méchanceté la plus profonde, oui, il vous a quand même laissé son testament, vous voyez. D'accord. C'est-à-dire qu'il vous lègue l'intégralité de ses biens. Ah oui, oui, ouais, son testament, évidemment. Ça, c'est, attendez. Il est mort, oui, ouais, il est mort. Oh putain mais, oui. J'avais omis de le dire, ça. Oui, on l'a exécuté en place publique. Quand ça? Eh bien oui, du coup. Tout à l'heure, là, c'était bien. Putain. Oh mon Dieu. Il a parlé, il a dit des choses et tout ça. Moi je le visais et voilà, il a exécuté place publique. C'était bien. Oh, c'était bien. Moi c'est un ami. Après, si vous me dites que c'est un monstre, d'accord, mais quand même, ça fait un choc. C'était là. Un ami tueur en série meurtrier. Bah oui, bah voilà, ça me fait un choc là. Vous oh, merci monsieur le roi pour la chaise là parce que je sens que ça y est, ça tourne. Y a pas de quoi, madame. Y a pas de quoi. Oh putain. Ouais, du coup, madame, mais là ça fait beaucoup. Coup, vous me vous dites léguez, que tout c'est bien.
Oh là là, c'est un tueur, puis maintenant il est mort, puis oh là 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 là. En espérant que ses biens ne soient pas maudits par la méchanceté qu'il avait en lui. Oh mon dieu, bah j'espère bien, oui. Oh, j'espère qu'il faisait pas fumer ces trucs assez bestioles quand même, parce qu'on n'a pas fini. Ah si. Ah non. Mais si, parce que... Ah non, mais c'est pas vrai. Si, parce que son rapporteur, on le dépasse à pied, au fait. Comment ça? Ah, il va pas vite. Ah non, bah mais d'accord, mais qu'est-ce que... Aucune de ces bestioles ne peut courir comme lui. Ah oui, d'accord, voilà. Bah elles sont tout aussi cool qu'il l'était. Exactement, ils consomment des produits de bœufs de gens. Ah bah oui, mais d'accord, mais moi comment je vais les nourrir ces bestiaux là? Tous ces animaux, ah bah je ne sais pas ça. Ah, moi je leur donne pas ces substances, moi, hein. C'est mort, hein. Mais c'est vrai, j'ai oublié de... Il y en a un stock, hein, si vous voulez, il y en a un stock. Ah non, mais c'est... Il y a au moins 6 armoires complètes. 6 armoires complètes? Mais putain, mais... Des centaines de kilos. Je connaissais pas ce personnage. Oh là là, je ne le connaissais pas comme ça. Ça me fait un choc là. Et comment il a été exécuté? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez mis une balle? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était simple. On a choisi. Je vais vous expliquer. C'est un moyen assez simple chez la police. On a choisi la double exécution, tout simplement. Alors, c'est un truc. C'est bien parce qu'en fait, il nous a dit dans ses aveux, il a vendu son frère. Ouais, il a vendu son frère jusqu'à la moelle. Et comment ça? Son frère. C'est que tout complice. Jamal Salas. Jamal. Oh mon oui, dieu! Il a vendu son frère, comme il n'y a pas. Ah, il a vendu la mèche, il a tout craché. Oh putain! Et donc, dans ses aveux, il a vendu son frère. Et quand il a vendu son frère, du coup, nous, dans le Nord, on a une loi. C'est que tout complice d'un crime subit la moitié du préjudice que le criminel subira. Bah oui, je donc, comprends. Donc on lui a choisi de faire une double exécution. Comme ça, son frère subira une simple exécution, évidemment. Et son frère, vous l'avez retrouvé? Ah, on l'a pendu. Oh mais putain! Il dort. On va aller le cueillir. Il va se réveiller dans nos locaux et va être content. Ah bah oui, il va être cueilli là pour être cueilli. Oh putain! Oh la nouvelle! Bah écoute, je vous remercie beaucoup de m'avoir prévenu de ça quand même. Mais donc, là, si vous voulez savoir comment on l'a eu. Ah bah oui, dites-moi donc. Pendu. Alors on l'a pendu devant et le château tout simplement. Et on l'a fusillé. Voilà, deux énormes coups de pompe dans le corps afin de qu'il ne se relève pas. Oh les trous, putain! C'était rigolo, ça va dinguer comme il n'y a pas. On aurait dit un métronome. Ah bah ouais, mais là il doit plus rester grand chose. Et si son corps est dans mon bureau. Oh putain. Sur ma table pour faire une photo de chasse. Ah bah oui, mais attendez, ça doit sentir la mort dans votre bureau là. Oui, collègue, nettoie en haut. Ah bah bon courage les collègues. Ah bah y'a plus personne qui parle là. Ça a calmé tout le monde. Non, moi je sais pas nettoyer moi. Bon, on mettra bras pas les nettoyeurs. Ouais, on va voir. D'ailleurs, brigadier Gorator, tant que vous êtes là, le collier était saisi. Oui. Oh, c'est beau, vous l'avez dans l'aigle? Je peux le mettre dedans si vous voulez. Oh, mettez-le dedans. Oh là là, bah ça fait un choc. Et ça a duré combien de temps, le système d'exécution là? Ça a été rapide ou non? Oh, ça a été rapide. On lui a laissé le choix. Il pouvait aller en prison à vie sans fumette. D'accord. Et avec une dernière cigarette. On ira voir quand même, je crois. Il a choisi autre chose. Ah, donc vous lui aviez quand même laissé le choix, puis c'est lui qui a décidé de mourir, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, merci, c'est le travail qu'il avait à vous. Sinon, il aurait pas eu le choix. Ah, d'accord, ok, je comprends. Bah, dis donc, ça veut dire que c'était un vrai monstre, quand même. Ah, j'en reviens pas. Donc, du coup, je comprends pas sur le... Bah oui, mais sur son testament, comment ça, il m'a tout légué? Il vous a tout légué, les bestioles et tous ses biens immobiliers. Oh, putain. Bon, à savoir qu'il va sûrement subir une perquisition, je vous pas tout en place. Ah bah je suis bien d'accord avec vous, bah déjà enlevez-moi toutes ces merdes, moi je suis pas du genre à fumer ou quoi, des trucs comme ça, si c'est pour finir comme ça. Oh d'accord. Oh là 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 là. Oh ça c'est pas grave. Ah bah c'est surtout pour... Récupérer. Ah bah oui, non, bah allez-y. Et comment ça se passe du coup? Je dois aller chercher tous les dinosaures et les emmener ici, ou comment ça se passe du coup? Écoutez, on verra tout ça un peu plus tard, ça va être assez compliqué. Bah oui, je comprends bien. Mais on fera le nécessaire. Et vous avez un permis pour l'ours qui est derrière le roi, madame? Ah non, mais c'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est monsieur Hiroto. Ah oui, c'est monsieur Hiroto. Ah non, vous inquiétez pas, monsieur le commandant. Ah oui, non, parce que moi je perds pas l'œil, je suis toujours en service. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, je vous comprends bien. Je sais, non, mais je viens de vous dire que votre ami était mort et j'ai failli vous faire un contrôle, désolé, excusez-moi. Hein. Non, bah allez-y, pas de soucis, de toute façon je suis plus à ça près maintenant. Hein. Ah, ça m'a foutu un choc, putain, ça m'a foutu des palpitations. Je croyais qu'il était gentil pas, comme mort, tout. Non, mais je sais, ça m'a. Oh là 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 là.
Il était gentil comme tout, et là vous m'annoncez en l'espace de 2 minutes que c'est un tueur en série qui brûlait des gens vifs et que bah il a été exécuté juste à côté de chez nous. Oui, mais pas que, parce qu'il est consommé ces gens, c'est un peu de la nécrophilie. Oh putain! C'est un tueur en série terroriste nécrophile. Mais depuis longtemps ou c'était tout récent, vous savez à peu près? Ah on ne sait pas. Ah non, je sais depuis longtemps. Ah vous savez pas à peu près, il a pas avoué. Tout petit. Oh putain! Vu le nombre de cannabis qu'il y a dans les armoires. Oh là 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 là. Dire qu'il aurait fallu le royaume entier pour abreuver tout ça en engrais. Hein. Ah bah ouais, là, oui. Je veux bien vous croire. Hein. Oh putain, ça on fait un choc. C'est fini dans une feuille slim OCB. Allez, oh bon, du coup, on va y aller, je passe. Ah bah allez-y, pas de soucis. Bah monsieur le roi, je vais vous rendre votre chaise quand même. Quartier libre. J'ai besoin de vous. Oh, vous pouvez la garder, vous pouvez. Ah bah d'accord, on va ah la bah c'est gentil, bah je vous la rendrai quand ça ira mieux. Ah bah super. Très bien. J'ai besoin de. Oui, bien sûr, ce madame. Bon bah bonne journée à vous et merci beaucoup. Et bon merci courage, beaucoup. Madame. Ah bah merci beaucoup. Vous inquiétez pas, vous le recroiserez pas. Allez, la bonne journée. Ah, je vais me relever un peu là, faut que je marche un petit peu, je vais aller regarder la petite comment elle va. Ah, excusez-moi, je sais pas si vous le connaissiez un petit peu, le Gizzy. Bah, c'était vraiment quelqu'un de. Bah, d'aimant, de gentil, de cool, quoi. Et puis là, bah oui. Déjà, on m'apprend que c'était un tueur en série, il brûlait les gens vifs. Puis maintenant, on m'apprend qu'il a été tué sur la place publique, donc forcément, moi, ça me fait un choc, forcément, quoi. Ah, je pensais pas ça de lui, moi. Ah bah moi non plus, vous voyez, c'est pour ça que là, j'ai un petit peu du mal. Ah bah je comprends maintenant, moi j'avais peur pour moi, bah c'était pas pour moi que j'aurais dû avoir peur, c'était pour ce Gizzy. Ah vous voulez voir l'endroit où ça s'est passé? Bah bonjour. Oui justement, j'aimerais bien savoir ce que ça s'est passé. Ah, venez, donc ça s'est passé ici. Oh non. Il a été fusillé sur ses marches juste là. Il a été pendu du haut du château. Oh mon dieu. Mais qui a cru quoi, il était tellement calme ce monsieur. Mais il était tellement, oui, c'est ce que je disais justement, il était cool. Et quand on m'a appris que c'était un tueur en série et qu'il a fait toutes ces choses affreuses, mais qui lui cru? Vous connaissez bien? Mais bah, c'était un très bon ami à moi. Et du coup bah j'imagine que vous allez faire pareil à son frère. Ah bah oui, puisqu'on a appliqué le principe de la double peine. On l'a voilà, fusillé et on l'a pendu. Ah bah oui bah voilà. Bah, et donc voilà. Les complices, c'est 50% de la peine. Donc il sera soit fusillé, soit pendu. Mais du coup, vous lui avez laissé dire un petit mot avant sa mort? Comment ça s'est passé juste avant la mort? Ah bah... Il a fumé. Ah bon. Oui. Bon bah ça il lui... Est parti. Ah, j'ai envie de vous dire, ça lui ressemble bien. Ça lui ressemble bien. Oui, tout à fait. Oui, une clope avec les cendres de son... de sa victime. Oh putain. Bah oui, bah surtout que, bah dis donc, mais il était gentil comme tout et tout, bah c'est incroyable, hein, comme quoi faut se méfier des gens, voilà. Ils ont un grand sourire, ils fument le calumet de la paix, puis finalement c'est des grands tueurs en série. L'habit ne fait pas le moine, je l'ai toujours dit. Ah bah alors là, oui, effectivement. Ah, alors, dame, si vous avez besoin d'aide pour aller chercher, on a des choux qui portent beaucoup. Oui. Sonnez-nous, hein, on peut vous aller vous aider. Ah bah c'est vraiment gentil, je vous remercie. Il doit y avoir quelque chose comme 100 tonnes de cannabis. Ah bah putain. Oh. Ah bah, en plus, sachant qu'il faisait... Bah, sachant que le problème, c'est qu'il faisait fumer que ça qu'à ses animaux, donc vous imaginez quand je vais les récupérer, la gueule des bestiaux. Oh les pauvres bêtes. Bah, non mais rassurez-moi, il avait pas de cheveux quand même. On va les... Il avait des moutons. Il avait des moutons, donc le problème c'est que les moutons, ils courent pas, ils marchent. Oh les bêtes. Il avait des chiens. Bah ouais, donc. Ah bah ça se voit, de toute façon, ça se voyait aux yeux des chiens. Ils ont les pupilles dilatées, vous putain. Vous êtes chanceuse, vous avez tout réglé, les bêtes. Ah bah j'ai tout récupéré, mais faut voir l'état dans lequel je vais les récupérer. Hein. C'est surtout ça, hein. il va y avoir du boulot. Mais c'est très gentil, au cas où, si par la suite faut déplacer ou quoi que ce soit, bah je vous fais signe. C'est vraiment très adorable de votre part. Bah on a. Vous savez, le dino, monsieur Robert, le gros bestiaux que vous étiez impressionné, bah il porte beaucoup lui aussi. Ah oui, et puis nous on a un énorme mammouth aussi, il peut porter plus de 2 tonnes. Ouais. Ah oui, oh lolo, effectivement, bah écoutez, au cas où, bah le jour où tout sera réglé, les papiers seront faits. N'hésitez pas à envoyer une lettre au village des Amazones de Thémiscyra. Bah d'accord, bah ça sera avec plaisir, bah c'est très gentil à vous, ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup.